comme nous l'avons appris au cours primaire, pendant deux lunes tout entières, je dirais que le forum des rédactions a dormi. Nous revoilà des vacances et nous repartons de plus belle pour votre émission tant aimée, le laboratoire des analyses politiques. Ce n'est pas que ça. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de cette émission, le forum des rédactions sur votre télévision Eden TV. Pour donc réaliser cette émission, c'est Marcel Yedo, jeune et compétent, qui est à la réalisation. Et puis Alain Alou au son, toute l'équipe, c'est bien sûr la diffusion Martin Toynisset. Et puis pour nous suivre sur les plateformes, c'est Modeste Rondé-Condi. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. Le thème est intitulé « Coopération régionale ». Quelle est la place du bon voisinage dans une gouvernance apaisée? C'est une grosse interrogation à laquelle mes invités vont répondre. Pour avoir un plateau plus ou moins d'experts, nous avons invité pour vous un consultant politique et géopolitique, spécialiste des relations internationales et de la diplomatie. Mais nous avons également sur ce plateau un analyste politique. Madame, Messieurs, nous allons observer une courte pause avant de revenir pour le débat. Je vais commencer par ma gauche. On ne le présente plus. C'est Gino Lokosu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mouril, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est une nouvelle saison de cette émission, on va le dire comme ça, comme tout vous l'avez dit dans votre introduction. On espère que cette saison sera meilleure par rapport à l'autre et que Dieu va nous donner la force de toujours faire ce que nous avons fait le mieux, jeter notre regard sur les petits et grands faits qui font l'actualité nationale et internationale. Je vais dire très fort amen. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Merci de répondre toujours présent à nos invitations. C'est moi qui vous remercie. Alors, à ma droite, lui, c'est Hamzat Aboulaye. Hamzat Aboulaye, bonjour ou bonsoir. Bonjour, Moïse. Oui, merci d'être venu. C'est un plaisir. Vous êtes consultant politique et géopolitique, spécialiste des questions, spécialiste relations internationales et diplomatie. C'est quoi un consultant politique et géopolitique? Alors, le consultant géopolitique et politique, c'est celui qui peut et a l'habilité de se prononcer sur les questions liées à la diplomatie et bien entendu aussi à la politique, parce que la branche des sciences politiques et des relations internationales sont intimement liées. Donc, sciences politiques et relations internationales, la finalité, c'est beaucoup de choses, dont notamment celui de spécialiste en questions international ou en diplomatie. Coopération régionale, c'est pour ça que nous vous avons fait appel. Quelle est la place du bon voisinage dans une gouvernance apaisée? Avant toute chose, c'est quoi la coopération régionale? C'est quoi cette thématique? Alors la coopération, comme elle s'entend, c'est le fait de bien coopérer entre États. Et vous avez parlé aussi du bon voisinage. Le bon voisinage, c'est le très bon entretien de cette coopération entre les États. Et ça participe bien entendu au fonctionnement de ce que c'est que le développement et bien d'autres choses. Et puis, pour que tout fonctionne, il faut faire appel à la diplomatie, si je ne me trompe. Oui, vous savez, la diplomatie joue un rôle clé et crucial, surtout au XXIe siècle. Et la diplomatie, pour beaucoup, surtout pour certains États africains, a été longtemps mise à côté. Mais aujourd'hui, elle est fondamentale et joue un rôle clé. On ne peut plus parler de politique étrangère sans avoir dans sa manche une bonne paire, je vais dire, de spécialistes en diplomatie ou de personnes qui se connaissent et maîtrisent la diplomatie. Donc, la diplomatie aujourd'hui va avec la réelle politique. Et qui parle de réelle politique
principale aussi de la diplomatie. S'agissant du Kosovo, vous n'êtes pas un homme de la diplomatie, vous n'êtes pas diplomate, mais on a vu qu'au départ de la gouvernance Talon, on a voulu un peu fermer des ambassades et tout. Et aujourd'hui, quand même, on est en train de redéployer des diplomates sur certains terrains où on a pensé qu'on ne pouvait pas avoir donc des ambassadeurs. Quels ont été quand même vos reproches par rapport aux fermetures des ambassades à l'époque? J'avais fait des reproches dans le temps, parce que j'étais parti du postulat selon lequel, pendant que l'homme a besoin de mille et une choses, il ne s'est fait qu'un tout petit peu, d'où l'obligation pour lui d'aller en relation avec les autres. J'avais fait ce reproche que aucun État au monde ne peut rester dans sa tour d'ivoire et prétendre au développement. J'avais fait ce reproche, mais j'ai tout fait de réaliser que ça peut faire partie d'une autre façon de gouverner. Fermer pour mieux comprendre, pour mieux sauter après, pour mieux redéfinir la diplomatie, comme l'a expliqué tout à l'heure Hamzat. La diplomatie, il y a un tout. C'est un tout, en fait, et qu'on ne peut pas dissocier. Et donc, en arrivant au pouvoir, pour ma part, j'ai estimé que le chef de l'État s'est dit peut-être qu'il y a une sorte de pagaille entre griffes, je ne l'affirme pas, qui est peut-être notée à ce niveau, et qu'il faille fermer d'abord les frontières, enfin je dis les frontières, les ambassades, et puis redéfinir la politique internationale, la diplomatie, parce que c'est tout un ensemble. Donc, j'ai fait ce reproche-là, et effectivement, ça n'a pas loupé mon reproche. On a compris que pour le développement tant souhaité du pays, il faut quand même que le pays aille en relation avec d'autres pays. Et donc, c'est très important. Et donc, on a besoin des autres pays également. Et avant d'aller en contact d'autres pays, il faut quand même avoir les outils pour lesquels, les choses sur lesquelles on peut aller en relation avec les autres États. Et donc, je pense que c'est fondamental aujourd'hui, la diplomatie. C'est vrai qu'on a reproché à beaucoup de pays africains des années courantes que la diplomatie a été mise de côté. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il faut installer, il faut mettre en place une bonne diplomatie. Il faut avoir dans son sérail une bonne poignée de diplomates. Parce que le diplomate, ce n'est pas seulement le nom, c'est un expert. Et qui connaît le langage diplomatique, qui sait ce qu'il faut faire. En langage diplomatique, il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas forcément, que nous, journalistes, je dis ça comme ça, qui ne sont pas des spécialistes de questions diplomatiques, ne maîtrisons pas. Et donc, il faut qu'il y ait ces personnes pour donner les outils nécessaires au chef de l'État, aux décideurs, pour dire, avant de prendre telle décision, faites-ci, faites ça, pour pouvoir le faire. Et pour ne pas aller trop dans le sujet, vous allez constater que, c'est vrai, vous avez évoqué le Bénin, le Nigeria tout à l'heure. C'est très important. On a connu dans ce pays, pendant 16 mois, le Nigeria nous a fermé les frontières. C'est vrai que ce sont des chocs qu'on a pu maîtriser, mais ce n'était pas bien que le Nigeria, qui est un grand poids, et quand vous suivez l'actualité des autres médias, pas forcément béninois, pas forcément du Nigeria, qui ne sont pas forcément sur le continent, pour ne pas parler des médias internationaux, on décrit le Nigeria comme un voisin colossal, comme un pays très important à côté du Bénin. Et c'est vrai, le Nigeria est un géant à côté de nous. On a besoin du Nigeria comme le Nigeria a besoin de nous. Et quand vous voyez le Nigeria, le poids du Nigeria, c'est déjà sa population. En dehors du superficie, c'est la population. Et j'ai compris que le chef de l'État également a compris que depuis 2 ou 3 mois, il a quand même su évoquer ou surfer sur les déterminants des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Et vous allez voir, on a reproché que Talon Buhari n'a pas fonctionné, mais Talon Tinubu aujourd'hui, on voit que ça fonctionne comme sur des roulettes, même si on a des reproches à faire à cette relation, mais on constate aujourd'hui que c'est plus comme avant, et que ces relations, enfin les relations des deux pays entre le Bénin et le Nigeria sont plus ou moins au beau fixe pour le moment. Il n'y a plus de fermeture de frontières. Mieux, le chef de l'État allait loin. Il a dit ceci, que tout ce qui est interdit au Nigeria sera interdit au Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le Bénin et le Nigeria, ça fonctionne très bien et que la coopération entre les deux pays fonctionne. Et mieux, cette coopération doit fonctionner parce que le ministre des Affaires étrangères
est forcément en train de jouer son rôle, parce que c'est lui, même si le chef de l'État est comptable de la politique de façon générale, la politique dite diplomatique, je pense que c'est, ça revient au ministre des Affaires étrangères de mener cette politique-là. Et celui qui est là, je pense qu'il a quand même les outils qu'il faut adapter pour converser avec le Nigeria. D'abord, son nom et prénom est évocateur. Et donc, en dehors du nom et prénom, je pense qu'il a les outils nécessaires pour avoir travaillé dans beaucoup d'institutions, pour avoir un background nécessaire, l'expérience qu'il faut pour pouvoir le faire. Je pense que sur ce, il est en train de jouer son rôle. Il a quand même essayé de rapprocher les deux peuples, les deux nations, pour que les échanges puissent continuer. Et parlant des déterminants et qui peuvent jouer dans cette relation, il n'y a que le Bénin et le Nigeria. Ils ont pratiquement les mêmes cultures, du moins les peuples qui sont à côté du Nigeria. Il y a pratiquement les mêmes cultures. À Porte-Novo, à côté, le Yoruba est parlé. J'ai appris dans un passé très, très récent, pour ne pas dire en 2023, que le Naira, la monnaie qui est utilisée au Nigeria, est utilisée à Porte-Novo. Il y a des commerçants qui sont à Porte-Novo chez qui vous pouvez acheter, peut-être en gros, avec la monnaie du Nigeria. C'est pour dire quoi? Que le Bénin, le Nigeria, sociologiquement, culturellement, historiquement, sont des peuples qui sont ensemble et on ne peut rien faire pour séparer ces peuples-là. Et les chefs d'État ont compris, ils ont compris qu'il faut rapprocher les peuples. Ça y va de l'intérêt de toutes les deux nations. Le Nigeria, vous allez voir des produits made in Nigeria ici au Bénin, comme vous pouvez avoir des produits made in Benin au Nigeria, et c'est ce qui est souhaité. Nous sommes tous des mêmes peuples, c'est seulement le système étatique, c'est seulement le régime qui change, sinon nous sommes les mêmes. Et quelqu'un l'a exprimé en disant que le Bénin ou l'Afrique est le pays et les autres pays, enfin l'Afrique est le pays et les autres pays d'Afrique sont les quartiers. Donc quand tu es au Bénin, tu es dans un quartier, quand tu es au Nigeria, tu es dans un quartier. Et donc je pense qu'en Afrique, on doit travailler à cela. Même si c'est difficile pour les Africains d'aller en Europe, ça, je pense qu'on peut inverser la tendance pour que sur le même continent, qu'on n'éprouve pas de difficultés à évoluer, que le journaliste béninois qui veut aller à Lomé, par exemple, au Togo, n'ait pas de difficultés à traverser les frontières, qu'il prenne un avion ou sa voiture, qu'il puisse passer les frontières, que quelqu'un qui veut aller au Nigeria pour aller suivre un colloque ou un séminaire là-bas puisse aller et qu'on puisse circuler à l'intérieur du continent en dehors de ce qu'il y a des mouvements qui ne sont pas très, très appréciés sur le continent. On sait qu'il faut que les chefs d'État puissent travailler à ce qu'il y ait une bonne coopération, qu'il y ait une bonne entente entre les peuples. C'est très important parce que Vous avez voulu vider toutes les questions sur l'émission en une prise de parole, mais vous n'en aurez pas l'occasion. Laissez-moi maintenant revenir dans le débat et procéder de la façon dont nous devons le faire pour que les gens puissent donc suivre la logique du développement de cette émission. Locosu, je sais que vous êtes prolifique, vous êtes très cultivé, mais nous irons dans la logique prévue pour cette émission. Merci déjà d'avoir planté le décor, pour tout ce que vous avez déjà apporté. Nous allons surfer sur tout cela. Je vais me tourner donc vers Hamzat Abdoulaye. Hamzat Abdoulaye, quel intérêt a donc un pays à entretenir le bon voisinage pour sa bonne gouvernance? Écoutez, mon co-débatteur a bien fait déjà de les énumérer sous différentes angles. Mais vous savez, en diplomatie, surtout quand on parle des États, on n'évoque que des intérêts en réalité. Donc les États n'ont pas d'amis. C'est vrai que le contexte historique... Je pensais que ce n'est pas que c'était que la France qui n'a pas d'amis. Je vais y arriver, mais je sais que ça se dit. Les États africains sont frères, historiquement, sociologiquement, les peuples se côtoient, etc. Mais depuis la cession des États africains à l'indépendance, nous avons des États, d'accord, qui défendent leurs intérêts en fonction de certains paramètres et critères qui échappent peut-être aux populations. Donc voilà, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on évoque les intérêts, bien entendu, il faut aussi essayer d'entretenir l'intérêt du voisin, des autres. Et je pense que par rapport à ça, c'est là où ça a un peu failli au niveau de l'ancien président Buhari et du président béninois Talon, à propos de la préservation des intérêts communs, hein, des deux États. Donc, quand ça a échoué, je crois que le président Talon et l'ancien président Buhari n'ont pas suffisamment pris de hauteur pour pouvoir juguler ou régler le problème comme cela se devait. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il vaut mieux se tromper une fois que de se renier
pour toujours, en réalité. Et je pense que le chef de l'État, Patrice Aman, a compris que ça ne sert à rien de rester sur un pied de guerre, surtout quand on a en face un voisin comme le Nigeria, comme l'a rappelé mon confrère tout à l'heure, qui démographiquement occupe une grande place et aussi économiquement aussi occupe une grande place. Donc ce serait une perte pour le Bénin que de ne pas entretenir les relations de bon voisinage, de très bon voisinage cette fois-ci avec le nouveau président élu. Donc ça, c'était une occasion à saisir. Et l'autre chose aussi qu'il faut souligner, est-ce que c'était seulement dû à la faute du chef de l'État? Je ne le pense pas comme beaucoup le disent. Je pense que c'était la faute à beaucoup de paramètres hein, que je peux développer dans cette émission. Liés par exemple, quand j'évoque plusieurs paramètres, il y a le paramètre économique, le paramètre social, le paramètre culturel, le paramètre politique aussi qui a joué un rôle clé dans cette fissure des relations entre le Bénin et le Nigeria. Mais là, on n'en est pas là. Mais ce que je peux dire, c'est que le président Tinubu est venu avec un nouveau calendrier, un nouvel agenda. Et je crois que dans le sens du chef de l'État béninois, ça coordonnait. Et on peut parler d'un nouveau départ désormais entre le Bénin et le Nigeria. Alors, avec tout ça, on a eu aussi le changement de la carte diplomatique avec l'arrivée d'un nouveau ministre des Affaires étrangères. Qui, enfin, on a durant un mois eu droit à un vide au sein de ce département. Qui est tout de même clé. Mais ça dénote deux messages clés. Le premier message, c'est que le chef de l'État était prêt à refaire peau neuve pour toute la diplomatie dans son ensemble. Dans son ensemble, dans le sens où, je le disais tantôt, les États africains, pendant très longtemps, ont mis de côté la diplomatie, ou ce que devait être le rôle de la diplomatie au sein de la politique des États. Et surtout avec l'arrivée du Covid en 2020, la crise de la guerre en Ukraine, eh bien les États africains ont compris qu'il y avait de la place à prendre au sein de cette diplomatie et que cette diplomatie peut contribuer activement à ce qu'est le développement. Donc changer de tête au sein de ce département pour le président Talon, pour moi, était clé dans la mesure où il fallait réparer les choses qui étaient cassées, notamment les relations entre le Bénin et le Nigeria, et choisir ce nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est tout de même axé sur la volonté du chef de l'État de rétablir la coopération entre le Bénin et le Nigeria, primo. Et secondo, c'est censé donner un nouveau souffle à cette diplomatie économique qu'il avait choisi depuis son arrivée au pouvoir, et surtout en 2017 et 2018, on parlait de la diplomatie économique. Mais c'est quoi la diplomatie économique? C'est une diplomatie surtout qui est axée sur l'attraction des investisseurs étrangers. Et je crois que sur ce point, surtout, on a plus ou moins échoué, parce que l'attraction des investisseurs étrangers au Bénin n'a pas été effective, en tout cas en qualité de chiffre. Ça n'a pas vraiment été effectif. Donc, ça a été l'une des raisons qui ont motivé le changement à la tête de ce département. Deuxième chose, c'est la promotion des exportations. Parce que vous ne pouvez pas ancrer votre diplomatie sur une diplomatie économique sans faire la promotion des exportations. Et je pense que ce nouveau ministre des Affaires étrangères va en faire une tête d'affiche hein, par rapport à sa politique. Et enfin, la recherche des partenaires stratégiques aussi fait partie des règles clés qui guident la diplomatie économique. Donc, une fois tous ces paramètres réunis, je pense que le Bénin pourrait se dire, oui, il est dans le bon chemin. Le chef de l'État aussi pourrait se dire qu'il est dans le bon chemin. Mais il faut aussi noter une chose, et je finis là-dessus, c'est que une bonne diplomatie ou un bon voisinage, ce n'est pas que sur le papier. En réalité. Et ce n'est pas aussi que sur les médias. On a vu dernièrement le chef de l'État main dans la main quasiment avec le président Tinubu. Et ce n'est pas du tout ça qui fait ou qui montrera que l'avenir sera un succès par rapport à cette politique commune des deux États. Mais dans les faits, il faudrait que le papier soit mis de côté et que les faits puissent répondre en ce sens où il y a des résultats sur le terrain. C'est-à-dire le Béninois lambda qui a subi de plein fouet, je parle surtout des commerçants, qui ont subi de plein fouet la fermeture des frontières ou la crise diplomatique entre griffes entre le Bénin et le Nigeria, puissent aujourd'hui sentir un changement notable dans leur quotidien, dans leur business, comme on le dit ici. Donc, il faudrait que ce changement soit effectif
dans les faits et au sein des foyers. Le Nigeria aujourd'hui, c'est un poids clé en termes d'économie, un poids clé en termes d'échange, un poids clé aussi en termes d'exportation et d'importation. Donc, tant que cela ne sera pas effectif dans les faits, je pense qu'on va ressembler un peu au serpent qui se mord la queue et qui tente à chaque fois de mettre en avant la communication. Or, la communication doit rester dans son rôle et ne pas supplanter la diplomatie, la vraie diplomatie. Et vous l'avez dit, nous n'avons pas que comme voisin le Nigeria. Le Bénin, comme on l'a appris, est limité au nord par deux pays, le Burkina Faso, le Niger au sud. Oui, c'est l'océan Atlantique, mais à l'est, il y a le Nigeria, à l'ouest, le Togo. Et en tant que spécialiste des questions internationales, est-ce que vous avez une vue globale sur nos relations avec les autres pays, le Togo et évidemment le Burkina Faso et plus loin, la Côte d'Ivoire qui n'est pas directement un pays limite. Là, nous sommes en plein dans la géopolitique. Alors, la géopolitique de base, c'est quoi? C'est la géographie qui a fait son émission dans la politique. Et à ce propos, le Bénin est un pays plutôt bien situé. On a une côte qui donne accès à la mer, donc qui favorise les échanges commerciaux. Ça, c'est une chose très importante. Mais de l'autre côté, on a aussi des frontières. On a des frontières avec le Nigeria, dont on a longtemps parlé tout à l'heure. Le géant de l'Afrique. Qui est un géant de l'Afrique sur le plan économique, mais aussi sur le plan démographique. Vous savez, si vous êtes un État qui, démographiquement, est bien situé ou est bien, je vais dire, densifié, c'est un avantage économique certain. L'exemple la plus simple ou les plus simples sont ceux de la Chine et de l'Inde aujourd'hui qui a supplanté la Chine en termes de démographie. Donc on peut prendre la démographie comme un facteur de croissance et de développement. Bon, bien entendu, les Malthusiens vous diront que oui, la démographie c'est la perte ou c'est ça appauvrit. Exactement, ce qui n'est pas ce qui est très loin d'être le cas. Mais je reviens à votre question. C'est que le Bénin jouit donc du Nigeria, qui est un voisin, mais aussi du Niger, et également du Burkina Faso, comme du Togo. Donc, dans ce sens, historiquement, les peuples sont liés, que ce soit à l'est, à l'ouest et au nord. C'est des peuples qui sont liés, donc ça favorise le brassage interculturel. Et le brassage interculturel favorise aussi les échanges économiques, forcément. Mais l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que le Bénin a, pour héritage, je vais dire, colonial et historique, la France comme étant ancien colonisateur. Pareil, que le Bénin partage le même colonisateur avec le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Donc ça aussi, c'est des points clés qui rapprochent. C'est les Belges ou bien c'était pas... Alors, c'est les Allemands avant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont été mis sous tutelle française après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un héritage historique qui fait en sorte qu'on peut renforcer nos coopérations avec ces États. Mais ça, c'est une chose. Mais la chose la plus importante qu'il faut mentionner, c'est que le Bénin fait partie d'une grande famille. Sinon, on fait partie de deux grandes familles sous-régionales que sont la CEDEAO et l'UEMOA sur le plan économique. On pourrait en revenir là-dessus. Mais ces deux organisations sous-régionales aussi consolident le rapport de bon voisinage entre États, surtout ayant un héritage commun lié à l'histoire et lié à la colonisation. Ça, c'est une chose. Mais aussi ayant la vision commune d'avoir un accès au développement. Donc, ça, c'est aussi une chose très clé. Je finirai sur le dernier point en disant, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un État qui réussit son bon voisinage sans évoquer les institutions multilatérales l'État se situe. Donc, quand j'évoquais l'UEMOA tout à l'heure ou la CEDEAO, c'était justement dans ce sens. On parle très souvent de l'intégration et aussi de la libre circulation et des personnes et des biens. Donc, il faut comprendre qu'une coopération ou une diplomatie bilatérale, c'est-à-dire entre deux États, ne suffit plus aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire il faut aller vers une coopération multilatérale, d'où ces institutions multilatérales, CEDEAO, l'ONU, etc., qui favorisent la libre échange entre les personnes
et les biens. Et sur une échelle plus continentale, on pourrait parler de la ZELECAF avec l'Union africaine qui veut aussi matérialiser cette libre circulation des personnes et des biens. Je crois que tous ces facteurs réunis font en sorte que le bon voisinage vit bien ou le voisinage vit très bien. Et ça, ça favorise bien entendu le développement et les autres points clés liés au développement que sont l'économie, le social, le culturel et bien entendu le politique. Très bien. Vous avez certainement des pans à aborder dans tout ce que vous avez entendu. Non, des pans à aborder, la thématique, c'est pour la coopération régionale, pour une bonne gouvernance. Mmh. Une bonne gouvernance, ça passe également par la paix et la sécurité. Et comme il a détaillé, on a besoin, surtout avec ce siècle où tous les pays africains, pratiquement, notamment de l'Afrique de l'Ouest, font face au terrorisme. On a besoin quand même que d'une synergie d'action entre les peuples, entre les pays, pour pouvoir véritablement aller au front pour pouvoir aller au front et lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'un pays, du moins en Afrique de l'Ouest, ne peut se lever et lutter uniquement à lui seul contre le terrorisme. Il faut quand même une synergie d'action entre les peuples africains, entre ces pays-là, définir avec les armées les stratégies qu'il faut pour aller contre ces terroristes. Parce que quand vous prenez par exemple le Niger, le Burkina et le Bénin, avec le Nigeria également, ils partagent des frontières. Et laissez-moi vous dire que ce sont pratiquement les mêmes organisations terroristes qui parcourent toutes ces nations, tous ces pays. Et donc je crois aujourd'hui que il faut quand même, cette coopération régionale doit permettre à ce que les États puissent mettre en place, pas forcément une armée, mais mettre en place, travailler en synergie d'action pour quand même aller contre ce terrorisme-là, pour lutter effectivement, pour qu'il y ait une sécurité. Parce qu'on parle de relations bilatérales ou de relations internationales, de relations diplomatiques. C'est également la paix, ça passe par la paix. Et la paix, c'est permettre à ces peuples-là de vivre en sécurité, c'est de protéger les investissements, comme l'ESPEL l'a rappelé tout à l'heure. Parce qu'il faut donner des gages de sécurité à ceux-là qui veulent investir dans ces différents pays-là. Et la meilleure façon de leur permettre de venir investir, c'est qu'il y ait la paix et la sécurité dans ces pays. Et c'est très important, c'est très capital. Et vous allez voir aujourd'hui, quand il y a conflit dans un pays, tous les autres pays se sentent concernés. Je ne veux pas évoquer forcément ce qui se passe au Niger, mais vous allez voir qu'il y a quand même la CEDEAO, tel un seul homme s'est levé pour aller au secours de ce peuple. Parce qu'au-delà des dirigeants, c'est le peuple qui compte. Et quand vous allez voir, j'aime à le rappeler, les hommes politiques ou nos dirigeants, ils agissent pour nous, pour le peuple, pas pour eux. Et ils le disent dans leur discours. Et quand on agit pour le peuple, il faut quand même aller au secours de ce peuple. Peut-être qu'ils sont à l'abri, ces dirigeants, à la moindre incantade, ils peuvent sauter dans l'avion et partir. Nous, ça n'est pas évident que tout le peuple puisse sauter dans l'avion et partir. Et donc, il faut agir pour le peuple, il faut agir pour consolider la paix, pour qu'il y ait la sécurité dans ces États. C'est aussi ça la coopération régionale, à mon avis, au-delà de ce qu'il faut promouvoir les biens et services. Il faut également promouvoir la paix et la sécurité. Parce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas la paix et la sécurité, on ne peut pas parler de commerce. Parce que j'ai parlé tout à l'heure, quand vous m'aviez fait ma première question, j'ai dit, les déterminants de ces échanges-là, c'est il faut véritablement se surfer sur ça. Et entre autres déterminants, il y a également la paix et la sécurité. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas converser. Si ma maison griffe, je ne souhaite pas. Si la maison du voisin brûle, ça me sera difficile d'aller prendre quelque chose chez le voisin. Et donc, il faut travailler à ce que les maisons ne brûlent pas dans le même quartier. Il faut qu'il y ait des sapeurs-pompiers pour éteindre automatiquement les feux. Et n'attendons pas qu'il y ait le feu avant d'appeler les sapeurs-pompiers. Faites en sorte que les installations que nous mettons, enfin je suis en train de schématiser, je suis en train de schématiser la situation, et faites en sorte que les installations que nous faisons, et que ces installations, qu'il y ait des installations contre les feux. Donc il faut agir pour ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui que c'est très important ce qui se passe dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça n'est pas du gaieté de cœur qu'un observateur puisse l'observer, non, parce que ça freine le développement économique. Ça freine l'évolution du pays. Parce que quand il y a de ces situations qui arrivent, de ces situations conflictuelles dans les pays, vous allez voir, je donne un exemple à tout hasard, c'est l'exemple qui est proche de moi, le Bénin de Nigeria. Pendant 16 mois, on a fermé les frontières. Demandez-moi ce que les commerçants qui vont au Nigeria et qui ont leur petit commerce et qui ont pour Nigeria leur truc là, demande-moi la souffrance qu'ils ont eue, la douleur et les pertes également, il faut savoir. Et donc, je pense que
c'est très important que nos dirigeants comprennent que la coopération, elle est une réalité. Mais comme l'a rappelé l'expert, au-delà des images qu'on peut projeter au peuple pour montrer que ça va bien, on sourit, on se donne des accolades, il faut que ça se manifeste dans les actes et que les populations, le peuple, le Béninois ou le Nigérian puissent sentir, même dans le panier de la ménagère. C'est vrai, nous, on a peut-être cette chance-là, c'est une chance, c'est peut-être une grâce pour nous d'aller à l'école. Beaucoup d'entre nous ne sont pas allés à l'école et notre population, elle est à plus de 60% analphabète. Et donc, la meilleure façon pour le peuple béninois, pour ces analphabètes, de constater l'évolution dans le pays, c'est le panier de la ménagère. Est-ce que j'arrive à manger 3 fois par jour? Il faut que la coopération régionale puisse amener les peuples à manger 3 fois par jour. C'est vrai que nous avons subi de par le passé, et nous subissons encore de plein fouet les différentes crises, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ça vient vers nous. Et vous allez voir, dans nos marchés, les choses coûtent essentiellement cher. Le paquet de sucre, je donne un exemple à tout hasard, je ne fais pas le marché, c'est madame qui le fait, qui est peut-être à 500. À 700 maintenant. Qui est peut-être à 450 ou 400, il y a cela un an, deux ans, et à 600, à 700. À même, 700 maintenant. Il y a des surfaces où c'est à 800, où c'est à 800 peut-être, parce que quand vous allez dans les supermarchés, ça n'est pas évident qu'au marché de Pota, à Calavi, de Tantopa et consorts. Et donc, il faut quand même que cette coopération puisse arriver à amener ces populations à souffler un peu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez les agents, ceux qui sont dans le service public, ils vous disent que le salaire n'a pas augmenté pour autant, mais les charges augmentent. Les prix des denrées alimentaires augmentent, mais le salaire est resté. Le prix du carburant augmente. Le carburant est à 650 ou même à la 680 maintenant. 680 à la station, à la pompe. Et donc, le salaire n'a pas augmenté. Alors que l'essence était à 450, voire 500, ça a doublé. 400, ça a doublé pratiquement de prix. Mais le salaire n'a pas connu une augmentation. Donc, je pense que. Entre l'augmentation du prix du carburant et maintenant. Le salaire n'a pas été augmenté. Oui, exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même travailler que ces organisations, que ce soit la CEDEAO ou l'UMOA et consorts, que les chefs d'État puissent travailler à ce que véritablement, dans les pays au moins de l'Afrique de l'Ouest ou les États membres de ces organisations, qu'il puisse y avoir quand même des éléments ou des outils permettant à ce que les peuples puissent profiter de cela. Peut-être des subventions décidées comme ça entre chefs d'État, parce qu'on sait que peut-être le Nigeria produit des marchandises qui vont peut-être venir au Bénin, au Togo, et je ne sais pas quoi. On peut quand même décider de faire une subvention là-dessus pour permettre au peuple quand même de souffler un peu, parce que ce n'est pas seulement le Bénin qui est concerné. La crise, c'est un peu partout. C'est au Bénin, c'est au Togo, c'est au Niger, c'est au Burkina Faso, c'est au Nigeria également. Donc, il faut quand même que les chefs d'État puissent entendre, au-delà de ce qu'on va se voir entre patrons, on va se voir entre homologues, il faut quand même décider pour le peuple. Et c'est très important. Ils travaillent, à mon avis, pour le peuple, parce que lors des élections, vous allez voir, les projets de société que nous lisons, c'est que c'est pour mettre le peuple dans de bonnes conditions. Et c'est très capital. Il faut quand même que chaque État, c'est vrai que chaque État a son mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement du président Patrice Talon qui gouverne le Bénin n'est pas forcément la même chose que le Burkina Faso, que le Togo. Mais je pense qu'au-delà de ces modes de fonctionnement, il peut quand même avoir des points de convergence, il peut quand même avoir des points où ils peuvent s'entendre et décider ensemble pour le peuple. Et je pense que le chef de l'État qui disait, quand il a pris une mesure pour, en ce qui concerne le voyage, les passeports et consorts, pour les États africains, c'est très important. Où on a, il a ouvert le pays aux autres Africains, c'est très important d'ouvrir le pays, de montrer qu'on a besoin des autres également. C'est vrai qu'il y a une certaine rigueur qui est imposé au pays, mais on a besoin des autres. Venez voir ce qui se passe chez nous, c'est très important. Je pense que c'est très important, au-delà de nos colorations politiques, au-delà de ce qu'on peut avoir des reproches à faire à ce qui se fait, je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même avoir, quand vous êtes intellectuel, prenez le recul nécessaire d'apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais, il faut le dire, pour pouvoir aider le chef de l'État également. Il ne sert à rien d'être un laudateur, je ne suis pas un laudateur du régime. Je dis ce que je vois de bon, je dis ce que je vois de mauvais, et je pense que je suis sur la bonne voie. Ça va aider peut-être le président de
la République à corriger un certain nombre de choses. Parce que c'est aussi ça. Quand il fait bien pour le pays. Je suis béninois, de père et de mère béninois. Donc, j'ai quand même, je dois être fier de dire à celui à qui on a confié le pouvoir, s'il fait bien, je dois lui dire qu'il fait bien. S'il ne fait pas bien, je dois être en mesure de lui dire pour lui permettre de corriger. Et c'est également ça, mon rôle que je joue. Je suis journaliste. Et le journaliste a une responsabilité sociale également. Et c'est très important. Hamzat Abdoulaye, nous parlons de la coopération régionale, la place du bon voisinage dans une gouvernance apaisée. Quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de bon voisinage? Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais renforcer ma réponse par rapport à cela. Parce que, si vous ne connaissez pas vos limites, oui, il ne peut pas avoir de bon voisinage. C'est clair. Nous pouvons venir à la petite échelle. Oui. Votre voisin au quartier, et si chaque jour vous devez faire des choses malsaines sur sa clôture, il ne peut pas être d'accord alors que c'est lui qui l'a érigé, par exemple. C'est un petit exemple que je donne. C'est pour caricaturer. Quelle devrait être la posture de chaque chef d'État ou chaque élément membre de la diplomatie d'un pays pour ne pas dépasser les limites qui amènent au conflit? C'est de se sentir déjà concerné et d'être suffisamment engagé sur le défi commun. Parce que quand vous avez évoqué le quartier tout à l'heure en guise d'exemple, ça m'a fait sourire, mais c'est tellement vrai comme exemple. Parce que sur l'échelle étatique, c'est le meilleur exemple d'ailleurs. Prendre l'exemple d'un quartier où, entre voisins, il faut déjà bien s'entendre et ne pas marcher sur la cour de l'autre, ne pas salir la clôture de l'autre, etc. C'est des principes qui font en sorte que le bon voisinage est apaisé. Ça, c'est une chose claire. Et par rapport aux États, et pour faire en sorte justement que le bon voisinage soit le credo de ces États et que cela puisse surtout participer à une gouvernance apaisée et à un développement aussi, il faudrait faire en sorte, comme je le disais, que les défis communs puissent être ensemble résolus. Alors, quand on parle des défis communs, aujourd'hui, déjà, mon confrère Sergino a parlé déjà de la paix. Il faudrait qu'il y ait la sécurité. La paix et la sécurité. Mais pas que. Parce que, vous savez, les défis auxquels font face les États africains, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont à l'ordre de quatre. Je peux les résumer à quatre. Il y a le défi alimentaire. C'est un défi crucial, dont on ne parle pas assez, dont les politiques aussi ne parlent pas assez, mais qui est fondamental. Vous avez des peuples, surtout dans les États du Sahel, qui végètent parfois dans la famine. Et je donne un exemple tout simple. Hein. Le Niger, qui fait l'actualité aujourd'hui, pendant très longtemps a été menacé par l'insécurité alimentaire. Et d'ailleurs, n'est pas sorti de l'insécurité alimentaire. Et c'est pareil pour les États périphériques du Niger. Le Nigeria, le nord-est et le nord-ouest du Nigeria sont menacés par cette insécurité alimentaire. Le Bénin aussi est menacé par l'insécurité alimentaire, à l'instar de beaucoup de pays africains. Donc ça, c'est un défi commun auquel il faut faire face, pas seulement en se serrant les mains ou en mettant les meilleures vestes, non, mais en allant dans les faits, en allant dans les actions, en mettant en place des actions qui puissent aujourd'hui satisfaire le commerçant ou le paysan qui est au fin fond nord du Bénin, par exemple, ou dans la région des plateaux, le cultivateur de la région des plateaux, qui sent peut-être son panier vide par moment. Donc, tant que la question de l'insécurité alimentaire n'est pas réglée, tant que les chefs d'État ne prennent pas communément une mesure pour régler et juguler ce problème, ça va perdurer. Deuxième chose, c'est l'insécurité climatique. Aujourd'hui, c'est le... Climatique, oui. C'est quoi déjà? Alors, l'insécurité climatique, c'est lié au défi climatique. On parle depuis plusieurs années aujourd'hui du changement climatique, de l'écologie. Eh bien, c'est aujourd'hui un défi du majeur. Du réchauffement également. Parce que le défi climatique participe également au réchauffement climatique qui, aujourd'hui, crée des désastres incroyables dans ces États. Le Nigeria a plus d'usines d'industrie que le Bénin. Alors, donc, il ne s'agit pas du tout climatique. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. En réalité, l'Afrique émet seulement 4% de gaz à effet de serre. Donc, l'Afrique n'est pas vraiment responsable du changement climatique. Mais l'Afrique subit 90%
du changement climatique. Vous avez des peuples entiers en Afrique qui sont obligés de migrer parce que justement ils n'ont plus de terres cultivables. On parlait tout à l'heure de l'insécurité alimentaire. Comment voulez-vous que les gens puissent avoir une indépendance alimentaire, une autonomie alimentaire, s'ils n'ont pas de terres cultivables? Vous avez des terres où il n'y a plus de pluie depuis des années. Et c'est une réalité africaine. Donc, tant que cette insécurité climatique n'est pas saisie comme étant un facteur clé et comme étant aussi un élément crucial de développement, eh bien, les chefs d'État vont, ça peut être personnel, mais beaucoup de personnes partagent mon avis, mais les chefs d'État vont rester comme ces chefs d'État qui ne s'occupent pas de ce qu'ils doivent changer, mais préfèrent s'épancher sur des sujets qui n'ont pas une répercussion directe sur les populations. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, c'est lié à l'insécurité liée au terrorisme. On ne fait qu'en parler. La sous-région est gangrénée par cette insécurité. Et il est temps qu'il y ait une synergie d'action entre les chefs d'État africains. Et je salue d'ailleurs par cela l'initiative, il y a quelques mois, du chef de l'État béninois avec le chef de l'État nigérien, qui était une première dans la sous-région. Imaginez-vous, votre maison brûle et vous regardez ailleurs, comme le disait Jacques Chirac. C'est-à-dire, les États africains, pendant très longtemps, ont penché ou se sont axés sur une solution venant de l'Occident. Exactement. Alors que le problème est à côté. Et quand le problème est à côté, il est mieux d'aller voir votre voisin, comme vous l'avez dit, dans le quartier, et de régler le problème commun. Et quand on parlait du terrorisme, le Bénin, le Niger, le Nigeria partagent une zone commune avec le Burkina Faso, d'ailleurs. Et comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, c'est les mêmes personnes qui opèrent dans ces régions. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait une efficacité ou comment voulez-vous que les États puissent contrer ces attaques s'il n'y a pas une synergie, s'il n'y a pas une coopération bilatérale? Et l'initiative était très bien entre le Bénin et le Niger. Il s'agissait d'une coopération il y a quelques mois qui était signée, une coopération de défense et de sécurité entre les deux États. Et ça, c'était une première. Imaginez-vous, depuis 1960, il n'y a jamais eu d'accord ou de coopération bilatérale de défense et de sécurité entre des États qui sont frères, qui sont proches. Donc ça, c'est un signe manifeste d'un changement par rapport à ce genre de choses. Et je finirai là-dessus, bien entendu, en évoquant aussi le défi lié à l'insécurité économique. Vous ne pouvez pas avoir un bon voisinage si vous ne veillez pas à l'économie commune. Bon, dans ce sens, l'UEMOA et la CEDEAO ont été créés pour être des leviers pour qu'au niveau économique, ça soit plus fluide aujourd'hui. Donc oui, ça a marché dans un certain sens, mais ce n'est toujours pas suffisant. Donc il faut beaucoup plus de volonté, comme je le disais, il faut plus d'engagement des chefs d'État et il faut que les chefs d'État puissent rester fidèles à ce que désire leur population. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'État, c'est avant tout la population et le peuple qui fait en sorte donc de mettre en place un chef d'État. Donc le chef d'État représente les intérêts de ce peuple. Le chef d'État représente les intérêts de sa population et ne fait que défendre ses intérêts à l'international. Et pour finir, boucler la boucle, comme on le dit, c'est que les organisations sous-régionales font la promotion de l'intégration, surtout la CEDEAO. La CEDEAO continue. D'ailleurs, la CEDEAO n'a rien à envier par rapport à l'Union européenne quand il s'agit de la coopération ou de l'intégration sous-régionale. Oui, absolument rien à envier. La libre circulation des personnes et des biens n'a jamais été une réalité. Alors, la libre circulation des personnes a été une réalité. Et une réalité. C'est-à-dire. Et les biens, où est-ce que vous mettez les biens? Alors, les personnes ne circulent pas sans les biens. Vous savez, dans l'histoire, il n'y a pas de développement spontané. Il n'y a pas de changement spontané. C'est un travail. Et la CEDEAO, depuis sa création, a fait un travail colossal. C'est vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut dire que la CEDEAO a flanché. Oui, on peut en faire une autre émission plus tard. Mais je peux dire aujourd'hui que la CEDEAO a fait beaucoup d'efforts dans le sens de cette intégration sous-régionale qui met en place une libre circulation ou met en place l'effectivité de la libre circulation et des personnes et des biens. Ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas du tout encore parfait, mais il y a une certaine volonté. Et c'est ce que La circulation des biens, ça reste à dire. Oui, des biens, ça reste à dire, mais il faut dire. Les formalités douanières. Exactement. Écoutez, quand vous prenez la CEDEAO, l'espace CEDEAO,
pour moi qui ai déjà eu la chance de voir un peu comment ça se passe dans l'Afrique centrale, c'est limite un pan au-dessus de ce qui se passe en Afrique centrale. D'accord. Et même au Maghreb, quand vous voulez traverser le Maroc pour aller simplement en Algérie, par exemple, mais c'est un chemin de croix, comme on le dit. Donc, c'est pour dire que, oui, la libre circulation des personnes et des biens, des personnes déjà, ça a été effectif, et on le constate tous, mais la libre circulation des biens, c'est un peu complexe. Mais il y a une certaine volonté, il y a un allant des États membres de la CEDEAO à ce que cela puisse changer. Et moi, je prends un exemple tout simple pour matérialiser ce que je dis. Quand vous quittez le Congo Brazzaville pour aller au Congo Kinshasa, il n'y a qu'un pont qui sépare ces deux États frères, ces deux villes aussi. Mais les formalités que vous aurez à faire pour entrer à Brazzaville en quittant Kinshasa sont encore plus énorme que si vous quittez l'Europe pour venir à Brazzaville. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Et ce type d'évolution, je pense que tout le monde nous envie par rapport à ça. Ce type de tendance à aller vers une véritable intégration qui met en place la libre circulation, l'effectivité de cette libre circulation et des personnes et des biens. Je pense que ça, c'est vraiment l'actif, non seulement de la CEDEAO, mais également des chefs d'État durant toute cette période, même s'il y a beaucoup de choses qui demeurent à changer. Dans à peu près 5 minutes, nous allons finir cette émission. Sergino Lokosso, il y a des questions que nous n'avons pas abordées. Aujourd'hui, nous voyons le Nigeria quand même comme un voisin dont nous pouvons beaucoup profiter sur beaucoup de plans, surtout pour avoir une assise économique avec sa démographie à côté. Comment conjuguer les efforts avec le Nigeria quand même pour que le Bénin puisse avoir un peu plus de rayonnement économique dans la sous-région? Non, je pense qu'on ne va pas inventer la roue, hein, comme on le dit, on ne va pas inventer la roue. C'est de surfer sur ce qui existe, c'est d'améliorer ce qui a toujours existé, de l'améliorer, parce que le Bénin d'aujourd'hui n'est pas forcément le Bénin de 2016. Le Nigeria d'aujourd'hui n'est pas forcément le Nigeria de 2016. Les choses ont évolué et il faut quand même que ces relations s'adaptent à l'aide du temps. Et donc, c'est que nos politiques puissent définir encore, enfin, nos dirigeants, pardon, puissent définir d'autres politiques pour quand même aller au contact du Nigeria, voir avec quoi on veut aller vers le Nigeria. C'est vrai que l'ouverture des frontières est constatée, c'est une bonne chose, tout le monde applaudit. Les nôtres qui vont au Nigeria, ils vont pratiquement tous les jours. Les échanges ont commencé, les flux de biens et de marchandises ont commencé entre le Bénin et le Nigeria. Mais au-delà de ça, c'est que les dirigeants des deux pays puissent mettre en place une bonne diplomatie, une bonne stratégie pour voir dans 2 ans, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ce que ça va donner. Parce que je partage entièrement ce que l'expert a dit en disant la diplomatie, ce n'est pas forcément sur papier, c'est dans les actes. Mmh. Et dans les actes, nous avons deux peuples qui sont intimement liés par la sociologie, et la quand culture. Quand on arrive à nous couper l'essence frelatée, écoutez, ça va fâcher le peuple, certes, mais je pense que ça y va d'une certaine organisation. Une réorganisation, c'est de voir maintenant ce qu'il faut faire entre les deux plans qui concernent l'essence, parce que ça vient du Nigeria. L'essence frelatée, ça vient du Nigeria. Et donc ça. Il n'est pas frelaté. Et il n'est pas, entre griffes, il n'est pas frelaté. C'est seulement que l'essence de contrebande. Les voies. Contrebande. Il n'est pas de contrebande. Contrebande, certes. Contrebande. Mais il n'est pas frelaté, il n'est pas gâté. Parce que quand on met dans nos moyens de déplacement, on roule, même s'il y a du sel dedans. On roule, même si par moment on constate. Parce que. Oui, je sais de quoi vous parlez. Je sais de quoi vous parlez. Et donc, c'est quoi? C'est de redéfinir encore les bases, de voir est-ce qu'il faut continuer sur ce qui existe. Est-ce qu'il faut définir d'autres stratégies pour quand même aborder le Nigeria? Parce que au-delà de tout, les deux peuples sont intimement liés. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, c'est un constat que j'ai fait. Les artistes du Nigeria, quand vous organisez un concert au pays, quand vous les amenez, ils font caca à temps plein.
les gens aillent suivre. Et les chansons du Nigeria sont pratiquement comme des hymnes chez nous aujourd'hui, dans nos téléphones. Quand vous prenez la jeunesse, dans les téléphones, il y a Asake, il y a Kiss Daniel et consorts. Enfin, je pense, je dis ça comme ça, hein, je ne m'excite pas trop, mais je pense qu'il y a ces rapprochements-là. Et donc, c'est de surfer sur ça, de redéfinir les bases pour voir comment on peut gagner avec ce gros, avec ce géant. On a la chance d'être à côté d'un géant et toutes les autres nations nous chantent, tous les experts en parlent sur les plateaux de télévision. Le Bénin est à côté d'un grand voisin, le Nigeria, qui a plus de 100 millions en termes de population. Mmh. Ils sont des consommateurs et que les produits du Bénin peuvent on peut facilement écouler nos produits au Nigeria. Donc, c'est de voir. On va glisser un peu c'est de voir ce qu'il faut faire, mais c'est de voir effectivement et de véritablement travailler à ce que nous profitons de ce grand voisin, parce que dans les actes, dans les documents, on lit c'est un géant, un colossal, le Bénin est à côté d'un géant économiquement fort, démographiquement fort. Qu'est-ce qu'on fait pour véritablement profiter du Nigeria? Je pense que c'est important. Depuis les gouvernements successifs, qu'est-ce qu'on a fait? Faire le bilan et de repartir maintenant sur de bonnes bases. Et pour finir ici, je dois faire mon... En 30 secondes, c'est dit quoi? C'est dit que la seule voie et qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité, c'est celle de la coopération et du partenariat. Très bien, merci à vous, Sergino Lokosou. C'est moi. Hamzat Ablaye, le bon voisinage, la coopération régionale passe par un bon ministre des Affaires étrangères. Absolument, absolument. Non seulement passe par un bon ministre des Affaires étrangères, mais aussi une politique étrangère. Parce que la politique étrangère est adossée à la diplomatie du pays, bien entendu. Donc, il est très important qu'il y ait, comme l'a rappelé Sergino, il est très important qu'il y ait une vraie stratégie autour de la diplomatie béninoise. Ça, c'est clair. C'est Est-ce vrai. Que ça promet? Alors, je ne vais pas jouer au prophète pour dire si ça promet ou non, mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'une nouvelle diplomatie doit être basée sur une vraie analyse. Exactement. Une vraie analyse, c'est quoi? C'est une planification stratégique, c'est une coordination efficace entre les acteurs concernés, non seulement du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des diplomates, et bien entendu, des institutions gouvernementales aussi. C'est un brassage de toutes ces institutions, de tous ces organes qui fera en sorte que, bien entendu, la coordination sera efficace. Parce que vous ne pouvez pas avoir que le ministère ou le ministre uniquement qui puisse mener seul la politique étrangère ou la diplomatie du pays. Non, il faut aussi associer les ambassadeurs. Ce qui a failli plus ou moins par rapport à l'ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, il faut impliquer activement les ambassadeurs, impliquer activement les institutions. Et je finirai là-dessus en citant Maurice Merleau-Ponty qui disait notre rapport aux autres ou notre rapport au vrai passe par les autres. Donc, si nous voulons aller... Notre rapport au vrai passe par les autres. Si nous voulons aller au vrai, c'est soit avec les autres, et sans eux, c'est que nous n'allons pas au vrai. Ça a un sens énorme dans le sens de ce rapport de bon voisinage. C'est-à-dire, si vous voulez véritablement aller au vrai, vous ne pouvez pas le faire sans les autres. Non, on ne peut pas le faire sans les autres. Et si vous êtes déterminé à véritablement aller au vrai... il faut faire avec les autres. Absolument. Donc, je pense que cette parenthèse est désormais fermée, la parenthèse de la tension entre le Bénin et le Nigeria, c'est désormais fermé, enfin, je l'espère, et j'espère aussi que dans ce sens, les organisations sous-régionales vont davantage aussi s'impliquer pour que les États ne se fragilisent ou ne se disputent pas au point de se fermer leurs frontières les uns les autres. Parce que vous allez constater, je finis rapidement là-dessus, c'est que lors de la tension qu'il y a eu entre le Bénin et le Nigeria, au grand jamais, la CEDEAO, au grand jamais, ces institutions n'ont émis une voix pour clarifier de façon simple et claire qu'il fallait que ça s'arrête. Donc, vous voyez, c'est aussi un rapport de force. Le Nigeria est le mastodonte de la sous-région. Absolument. Et parfois, il faudrait aussi faire en sorte que nos rapports de force
évolue. Donc, on a besoin d'un président fort, on a besoin d'une diplomatie forte, mais on a surtout besoin de stratégies impactant directement sur les populations. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye, pour tout ce que vous avez apporté à cette émission qui a voulu donc aborder la coopération régionale et qui a donc fait les analyses par rapport à la place du bon voisinage dans une gouvernance apaisée. J'espère que vous nous avez suivis avec attention et que donc vous avez pu tirer des choses de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Merci, Sergino Lokosu. C'est moi. Vous êtes journaliste politique. Merci d'être venu. Je confirme. Hamzat, c'est un plaisir. À bientôt pour une autre émission. Pourquoi pas une autre émission spéciale sur les indépendances, 63 ans après. C'est bientôt. Je changerai ma veste, mais ce sera un plaisir d'être toujours. Merci, comme un bon diplomate, toujours en veste. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Marcel Yedo était à la réalisation. Alain Allou au son et puis Martin Toïssé à la diffusion. Modeste Mounekondi pour tout ce que vous avez suivi sur les plateformes. N'oubliez pas de liker et surtout de partager l'émission. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.